Bonjour Bob, je vais vous faire mon rapport. Quelles sont les nouvelles? C'est un peu beaucoup de la merde, c'est un peu beaucoup la merde au fait. Expliquez-vous. Les mercenaires et sont maintenant avec Xunter et les soldats de l'île se sont fait botter le cul. Comment ça? Que s'est-il passé pour que ça arrive ainsi? Ça par contre, je sais pas. Bien. Ben Pierrot, demain, leur base doit périr. Oh l'inconnu! Bon, on Oui. va. Oui, j'arrive. Faut qu'on aille chercher les survivants. Mais Ok. par contre, bien, on va acheter des trucs, des quelques pièces. J'arrive. On va laisser les deux autres tranquilles, hein, on peut faire ça tous nous deux. Comme ça, je te présenterai à nos amis les survivants. D'accord. Salut les gars, t'as besoin de monnaie? Non, j'en ai pas, mais c'est pas grave. Non mais tu en as besoin. Non, c'est bon, j'ai déjà ce qu'il faut. Ben en fait tu peux les payer qu'avec ça. Hein. Ou alors tu vas acheter. Ou alors tu leur revends des trucs. Aussi. Bon alors l'épée en émeraude, de toute façon j'en ai déjà une. Et là-bas c'est des forgeurs au fait dans cette. Oh putain, qu'est-ce que tu fous? Ouais. Qu'est-ce que tu fous là? Si les gars ils te chopent, ils vont te faire la fessée. Oh. Regarde, c'est les deux qui vendent, qui forgent des trucs. Tu vas voir, passe ton interview, tu forges un truc. Où tu es? Qu'est-ce que tu fous ici? Bon. On va chercher nos amis survivants. Alors, tu fais pas de bêtises, hein. Tu vas pas nous empêcher de les ramener ici, au moins. Non. Ça va. Alors, Eux, ils m'ont rien fait, ils ont été même très gentils. ok. C'est nous qui les avons lâchement abandonnés. C'est vrai. D'ailleurs, j'essaye de me rattraper, donc tu fais pas de saloperie, hein. Bon, qu'est-ce que je peux acheter? J'ai une armure. Ah merde, mais il vend pas d'armure, c'est con, c'est vrai. Ah mais là-bas, il y en a un qui est en forge, non? Maintenant, je regarde la télé. Il me faut beaucoup de fer. Y a pas l'antenne chez vous? Attends, non. Attends, je vais acheter du. Je vais acheter des diamants. Mais non, Y je a suis pas con, pourquoi j'achète les. des diamants vu que je veux les revendre? Bon, je vais vendre la moitié de mes diamants. Allez, pourquoi ça compte pas? Ah mais je peux les vendre que un par un, c'est quoi cette arnaque? Pourquoi ça compte pas? Rentre! Ah mais non, je me suis trompé de vendeur. Je me fais plein de fric, c'est cool. Voilà. Je suis pété de thunes. Salut mon pote. Je vais t'acheter un max de fer. Putain, ça coûte cher le fer en fait. Les prix sont un peu exagérés en fait. Ah oui, bah oui, mais en même temps. Bon alors qu'est-ce que je voulais acheter? Ah oui, je voulais du fer, encore une fois. Non, de l'émeraude, c'est vrai. Non, attends. Pour acheter l'émeraude, c'est là. Donc je mets mes pièces ici. Voilà. Ensuite, je vais en profondeur. Bonjour Ken Slash, je vais prendre ça, ça, et j'ai mon pistolet. Ah, vous avez déjà un fondeur, c'est tiens, intéressant. je te passe ça, Ken Slash, parce que j'en ai un appel depuis le lendemain maintenant. Oui, là, on a un mec qui vend qui forge des armes, donc il y a des armes qu'on peut forger. Bon, on bouge. Et tiens, je vais mettre un tapis en or parce que c'est la classe. Oh, attends, je vais mettre le pistolet. Qui c'est qui le diamant? Moi aussi, je m'en déjà. Vas-y, moi je dis pas non. Je fous dans le coffre de l'armurerie. Pourquoi il y a une pierre ici? Ouais, mais je fous dans le coffre de l'armurerie. On bouge? Si vous voulez. Allez, on rejoint le camp des. Non, on rejoint le village tribal maintenant qu'il est à nous. Il y a beaucoup de villages tribal. Oui, on l'a pris depuis le moment. Ben, je les ai demandé aux survivants d'en faire les leurs. Attends. J'ai posé des panneaux disant qu'ils pouvaient le prendre. Les survivants? Oui, les survivants, je leur ai donné le droit de faire des esclaves aussi. Tu en passeras un ou deux? Ouais. Ben, je leur ai commencé à leur donner les consignes de revente,
le marché, les clients potentiels. Non, ça coûte pas cher, lui. Oui, oui, ben, je leur ai donné toutes les ficelles du métier. Ouais. Bah, avant, j'avais donné à mon... Je sais qu'avant, je bossais pour les cartels et je revendais des esclaves. Ouais. Longtemps. Ouais, c'était dans le passé, ça. C'était le bon vieux temps, mais c'était dangereux de bosser pour les cartels. Alors, village tribal. Xanter a une petite bite. Pardon ? D'accord. C'est ce qui marquait. Ah oui, je sais. Mais t'inquiète, j'ai envoyé des messages et demandé aux survivants de kidnapper, de tuer tous ceux qui ont marqué ces messages. Super poulet a vraiment un petit asticot. PS, Super Poulet a bien aimé le boudin noir. Qu'est-ce qu'ils ont contre Super Poulet, ces esclaves ? On va leur faire une punition. Ouais. C'est quoi toutes ces petites filles là-bas ? J'en veux une. C'est le marché d'esclaves que j'ai fait. Moi je l'ai fait. Bah tu peux, c'est combien déjà les prix, j'ai oublié. Ah oui, c'est un bâton pour un jour. Donne-moi des bâtons. Toi aussi tu veux un bâton ? Vas-y, toi. Bonjour, je m'adresse. Bonjour. Eh bonjour. Allez, non, fais gaffe, tu vas s'échapper. Mais viens là. Les esclaves s'échappent. Faites gaffe les gars, il y a un bambou là qui se ramène avec. Regarde, mais non, ils sont en train de s'enfuir, mec. C'est ta faute. Ils s'enfuient toutes. Bon, faut les tuer ceux qui s'enfuient. Pourquoi il y a des blanches aussi ? C'est qui elle ? Oh, oh les fêtes. Oh. C'est bon, j'ai tué les esclaves qui s'enfuyaient. Et Big Mama. Non, mais rentre pas toi. Ah, je crois qu'il y a une survivante. C'est la jeune blanche. Moi, c'est bon, on se casse d'ici. Attends. Voilà, c'est bon. J'arrive. Où t'es ? Je tape le mec. Ok, putain, mais qu'est-ce que vous avez, vous ? Oh, c'est une rébellion d'esclaves, les gars. Ça. Oh, Dieu. Oh non, putain, t'as pris l'elfette, connard. Ah bah elle est bonne, arrête. Je la veux. Non, elle est à moi. Putain, mais vous avez... Ah non, pardon, je croyais qu'elle s'est rebellée, mais en fait, elle vous suit. Ouais. Quoi, tu m'en as tué une ? Mais je sais pas, j'ai vu qu'elle était dehors de la cage. Alors ? Oh. Je crois que la fille est intéressée par la petite moi. Là, moi, je vais pas trouver l'elfette, moi. Putain, je te laisse Big Mom. Attends, passez-moi un magnétophone. Je vais m'arrêter. Quelqu'un a un panneau, il faut que je mette un message pour les survivants. Ouais, je peux avoir. Non, j'ai pas de panneau. Je vais leur demander de partir avec tous les esclaves et de nous rejoindre à la forteresse. Forteresse. Ben oui, en fait. Forteresse. Au fort de là où on vient, quoi. Il y a quoi en fait pour encore passer sur l'île c'est qui ce type ? C'est qui toi ? Ah ! Putain, rébellion d'esclaves ! Qu'est-ce qui se passe là ? Il y a une rébellion d'esclaves. Merde. Tout il y en a qui ont joué. Je me casse pour la peine. Ah ! Je les prends par en haut ou prends les par en bas ? Ouais, non, c'est fait dégueulasse qui comme ça, mais bon. Il me faudra plus de temps. Si, moi je veux bien les prendre par en haut. Non, je les prends par en haut. Sauf Big Mama, je te la laisse. Elle est un peu haute pour toi aussi. Ouais. Pour toi aussi. Hein. Allez. Et moi je sors. Non, très bien. Ça, quand même. Mais ça rend bien, il faudra que j'y pense. Hein. Une double porte. D'accord. Bon, toi la big. À main. Non, l'elfette reste ici, reste avec moi, fais des choses. L'elfette, je garde. De l'île. Non. Pour moi. Avec tout. Moi, je te laisse la meuf, la regarde elle. Dans mon tuyau. Oui. Esclave. Salope. Oh, j'ai tué Big Mama. Toi. Les autres. Merde, toi, je peux te tromper. Pour moi. Voilà. Tu crois que ça passe comme message ? Oui. Attends, je signe. Bon, j'ai tué l'elfette, hein. On est en train de... Non, t'as osé faire ça ? Oui, mais il y en aura d'autres. Si tu veux, je m'en prends. Qu'est-ce que tu penses de mon message ? Est-ce que ça c'est explicite ? Tu sais quoi, Diablox ? Si tu me rejoins, je t'offrirai un village d'elfette. D'accord, c'est bon, je te suis. Mais attends, j'ai un village de petites noires. Je crois que t'as pas ton message pour mes hommes et mes femmes ça. Derrière là, sur l'arbre. Ouais, ça passe.
Avis au peuple, rendez-vous à la base des SI avec toutes les esclaves et tuer les autres. Signé Xanter. Ça devrait passer. Bon, bref. Rendons-nous. Aucun des survivants. On récupère l'or, les gars. Retrouvez-nous à la base des SI. Ben, venez avec nous. Je suis mort de la télé, de ce bout. Ah, ok, on avait 24 modes. Et tout le monde qu'on avait, c'est vrai. Sérieux, vous avez tant que ça? Non, tu sais, à moi, à la banque du boss, on a eu des trucs. Hein. C'est vous, je vois. On était un diamant qu'on pourra revendre, du bronze qu'on pourra revendre, de l'or encore. Qu'est-ce que tu fais, vampire? C'est de la porte. C'est de la porte, je vois. Je crois qu'on en avait mis dans les fours aussi. Oh, joli clamolette. 15 le bricoleur. Cross de hockey. C'est bon, on a tout. Des améthystes, ça vaut beaucoup. Des anciennes coins aussi, je les prends. Merci les gens. Oh, les qu'est-ce qu'on pourrait ramener? On ramène tout ce qu'on peut, les gars, on bouge. Bah, dis-moi, je crois que les survivants, on va les mettre dans la petite ferme qui est à côté. Ouais. Tu les as vu les fondations qui sont à côté de la ferme? On pourrait les rénover et en faire la base des survivants. Bah, ça t'embosse qu'il faut dire ça. Ah putain, c'est vrai que toi tu es plus avec nous. Et je peux mettre en contact avec quelqu'un, ça t'amuse. Je m'habituerai jamais au traître. Allez, venez les gars, on rentre. Hop là. Eh les gars, je suis de retour. Oh mon dieu. Tu as ramené les survivants avec nous, c'est bon, on est tranquille. Attends! Oh! Qu'est-ce qu'il y a? On a un problème. J'ai mon poulet, Dovahkiin et son fils. Ils sont en danger. Faut que je retourne. Alors, ciao. Attends, on vient avec toi, Kenflash. Il faut pas nous. Tu nous laisses t'accompagner dans cette terrible mission? Oui. Orange! Bouge ton cul! Bouge ton cul, ma salope, on y va là. Dégage, pas besoin de te mettre à poil. Allez hop. Attends, je sais. Hop, moi c'est bon, j'ai rien besoin d'acheter. J'aurais bien besoin de quelque chose. Ok, j'enchante juste mon armure. Et après. Bouge ton cul, bitch. Après on y va, on va faire de la bagarre. Plus d'un grand fil d'expérience, c'est nul. Casque niveau 5, ça me va. Qu'est-ce que j'ai? Solidité, tarpin nul. Armure. Tu peux m'améliorer s'il te plaît? Protection et solidité, t'as fait bien. Les jambes. Tu peux m'améliorer s'il te plaît? Ouais, attends, solidité. Mais putain, mais je fais de la merde. Les bottes. Protection et solidité, ok, c'est cool. Tiens, améliore-moi ça, tiens. D'accord. Tu seras un ange. Alors, Protection, hein, en évitant. Protection 1 pour les pieds. Magnifique. Et... Putain, mes pieds, ma puce. Oh, solidité 2 et protection 2 pour ça. Magnifique. D'ailleurs, je le garde. Oh là là. Non, mais attends, prends tout. C'est vraiment ce qu'il a droppé. M'en fous du froc. J'ai une casque si quelqu'un le veut. Oh, je suis full protection, hein, quoi. Mm-hmm. Allez, on y va. Attends, je vais me faire une casque en diamant. Ah, j'ai récupéré ça. Mm-hmm. Ah oui, dans la fortification, bah, t'as qu'à mettre ça, mais je sais pas si c'est efficace. Je suis ton père. Oh, c'est trop efficace. Je crois. Tu okay. vois Alors, casque en diamant. Ouais, okay. C'est pareil, quoi. Mais j'adore le froc. Je suis trop beau gosse. Allez, go, on y va. Attends, quelqu'un veut mon casque d'infanterie? J'ai un casque en diamant tarpin D. Comment il est, fais voir. Quelqu'un veut mon casque en diamant? Pas, c'est voir. Tiens. Il est laid. Je sais, mais il est en diamant. Je préfère le mien. Bon, bref, bah, dans ce cas, je vais le revendre au mec. Il rachète les armures, je m'en rappelle plus s'il rachète les armures. Tu rachètes les armures? Putain, il faudrait falloir que lui qui rachète les armures un jour ou l'autre. Bon, on va le mettre ici. Allons-y! Dovahkiin, j'arrive! Bon, bref, on y va. Il faut parler à vieux monsieur, il est à la ferme. Faudra un masque. Si quelqu'un veut un masque. Venez, vous trois, vous venez avec nous. On va attaquer la ville du boss. Et sauver Dovahkiin. Ton neveu. Mon neveu, exactement. Attends, on va faire tout ça pour un poulet. Et ta nièce aussi.
Emmanuel, ouais, oh putain, tout ça pour un poulet. En fait, t'as deux neveux, en fait. Je pense qu'en fait, c'est pas une nièce. Non, non, c'est un mâle. T'as deux neveux. Putain, Noël, ça va être chaud hein, pour toi. Hein. Noël moi, je ah bah ouais, faudra lui offrir des cadeaux. Hein. Bon, on y va. Ok, on se téléporte fil du boss. Let's go. Let's go. Pardon. J'ai monsieur. Voilà, merci. Ville du boss. Ok, j'y suis. Putain, où est ville du boss, hop. Oh là là, ils sont alors, cons, ils ont oublié de prendre le bateau. C'est pas grave, on y va tous les trois. On les laisse... Alors, vous vous rappelez un peu où c'est qu'elle se trouve, notre maison? Bouge ton cul, viens. Allez, on y va, mon tasseau. Dégage du pont. Pas de quartier. Y'a rien compris. Danger! Aïe, putain, t'as touché. Tiens, faut t'enculer. Venez, allons-y! Voilà. Venez, on vole tout ce qu'on peut aussi. Casse les vitres, vole les femmes. Je viole ta pute. On y vit juste la je tue les villageois. Rien à foutre. Attends, Zotter, coupe! Des explosifs. Kamikaze. Fais pas tout sauter hein, après on va essayer de récupérer la ville. Ouais mais il faut bien les tuer. Oh une des golems de fer, ils nous attaquent. Des golems de fer. Bien, là. Oh tu es violent toi. Bah oui bien sûr, ils défendent la ville, qu'est-ce que tu crois? Dovahkiin, j'arrive. Carton. Non, pas ça, mec. C'est la maison. Mais c'est juste à côté de chez nous. Oh mon dieu. Il est vraiment en danger. Dovahkiin, j'arrive. Dovahkiin. Il est encore là? Je sais pas, il a dû s'échapper. Je le connais, hein. C'est un coriace. Ah, ça va. Oh putain, non, les pirates. Il est parti. Ah putain, ça brûle. Je confirme qu'il est parti, mais je sais pas où. Il va falloir le retrouver. Aïe. Là, je prends dans le poste, tiens. Hein allez, allez, on récupère tout ce qu'il y a à nous, les gars. Déjà fait. Allez, l'autre super foulé. Dernier coffre, on avait vu. Notre or. Y'a de la... On avait pas oublié de prendre notre or la dernière fois. C'est moi qui l'ai. Ok, c'est bien, c'est cool. On récupère tout ce qu'il y a à nous qu'on avait oublié la dernière fois. C'est quoi ça? Je sais pas ce que c'est, si tu comprends en rose ce que ça veut dire, c'est peut-être un message de Dovahkiin. Va voir. Là, à la poste. C'est super poulet qui te l'a pris. Regarde, tu peux dire si c'est un message de Dovahkiin. D'ailleurs, Pince Flash, ton poulet, une fois qu'on l'aura trouvé, il faudra le remettre à un certain mec pour en faire une alliance, ça te fait même pas. Un certain Vachman, tu connais? Ouais, je connais. Malheureusement, il ne voudra jamais accepter. Je ne le donnerai jamais. Une alliance. Alors, qu'est-ce qu'il dit ce message? Bah, rien. Où? Merde. Où se cacherait super. Et voilà, parce que pourquoi? Oh, je sais, la piscine. Il faut aller chercher la piscine. Je crois qu'il est revenu là-bas, Dovahkiin. Bah oui, à mon avis, le premier endroit où il est Dovahkiin, c'est la piscine. Allons-y. Pourquoi c'est le premier endroit où il est allé? Je sais pas, une intuition masculine. Non, peut-être qu'il est revenu au point de départ, où je l'ai connu. Et tu l'as connu où? À la ferme. Mais merde, on a bien de la ferme. Ouais, mais... Enfin, comment dire, c'est ma piste. Et je de quoi pense à... Quoi? J'en ai un. Tu as retrouvé super bon, tu as retrouvé Dovahkiin? Le 1. Où tu es? Putain, mais c'est Dovahkiin. Il était où? À côté d'une touche. Ah, je savais qu'il avait survécu. Mais son fils, je crois qu'il est mort.
C'est triste, on le vengera pour lui. Ouais. Mais Super Poulet ne va pas être content, je te le dis. Pas un Dovahkiin, non, toi t'es pas un Dovahkiin, y'a que toi. Willy, t'es où? Oui. On est à la maison là. Ah mais j'ai pas de chaîne pour l'amener. T'avais t'es où? Vers la piscine, pas trop loin. La piscine c'est où cette heure? À quelle zone? Entre la piscine et Ah tu veux dire la piscine municipale? Ouais. Ah bien c'est par là. Merde, hors bure. Eh tiens, je vais juste jeter un coup d'œil à la banque si on passe à côté. La banque, je vais voir ce qu'il en reste. Mais pourquoi il allait là-bas? Bah oui c'est vrai, j'y pense. Il a dû aller se nourrir là-bas. Bah oui. Même si c'est dégueulasse l'eau. Ah oui. Oh un pistolet à l'inventaire. Je crois que c'est trop bien. Bonjour messieurs. Là on a oublié une couleur la dernière fois ici. Ah. Mec, non. Couillon. Dovahkiin. Yo. Dovahkiin, il est là-bas. Avec orange. Enfin avec rose. Putain j'ai plus de. Et alors Dovahkiin. Quoi? Non, je vais récupérer un or qu'on avait oublié. T'as survécu, Dovahkiin? J'ai dit bonjour au patron. Reste ici. Touchez pas à elle. Ne la touchez pas. Ok. Là, attention, il y en a. Il a lâché un couteau. Je fuck le boss. Il va se faire enculer. Je suis désolé, Zotter, mais il va se faire enculer. Oh, Dovahkiin 1. Allez, viens, partons. Merde. Vite, on se casse vite. Tiens, je te fais un fuck, fils de pute. Allez, on y va. Allez, vite, on se casse. Avant qu'il nous envoie ses troupes d'élite. S'il nous envoie ses troupes d'élite, on va être mal. Allez, Dovahkiin, cours. Meurs, motherfucker. Dovahkiin. Faudrait que je te parle après, en privé. C'est par où? Avec ton, ah, avec ton, avec ton nom. Le mec avec le bateau, il est là-bas. Ah, mais passe pas demain, il t'a dit où. C'est bon. Ils sont derrière nous. Ils sont derrière nous. Ouais, vas-y, fais sauter le pont. Tu l'as mal fait. Vas-y, je vais le faire. J'ai mis trop de TNT, espèce d'idiot. Garde-toi. Dovahkiin est de l'autre côté, je crois. D'accord. Vous êtes sérieux? Ah non, il est tombé dans l'eau, vas-y, allons-y. Ah, ça va, tu m'as fait peur. Je suis un poulet sans nage. T'inquiète pas, il volera maintenant qu'il est libéré. Allez, viens. Il est là. Mais t'inquiète pas, Dovahkiin, tu nous suis en bateau. Vite. C'est lequel? Début, peut-être. Hunter, viens. C'est bon, tu fermes. Ok, on prend le bateau. Allons-y. Je crois que le boss il va pas trop aimer ce qu'on a fait. Où allons-nous, mec? On retourne à la ferme. Ok, on t'attend. Ok, bon, maintenant pour qu'on a retrouvé ton poulet, il va falloir retourner dans l'Inde aussi. T'es sérieux? Quoi? Ben oui, on a plein d'alliés, il y a les dragons qu'il faut crever, tout le bordel. Dovahkiin, faudra que je te parle par rapport à ton maître. Super poulet. Oui, parce que si on veut faire une alliance avec les mercenaires, faut passer ce qui va sur couillon de Vachman. Putain, j'arrive pas à croire que les mercenaires, ils ont nommé Vachman comme officier. Oui, mais de toute façon, Super poulet... Faut dire, ce Dakrash, il est pas très malin aussi, hein, nommer Dakrash comme poulet. C'est comme Super Poulet, mon dieu, mais qui c'est qui a nommé lui comme super-héros? Je t'emmerde. Oui, je sais que tu es fan, mais... Ça, je te parle aussi en privé, toi. Bref, nous sommes rentrés, nous avons un peu plus d'or, des casquettes, une torche de redstone, que nous avons posée ici. Tu as posé la torche? Là. Où tu poses la torche? Ici. Vous deux, vous pouvez faire une pause. Voilà. Faites-vous l'amour. Où ça? Ici. Là? Ouais, on regarde, la table fait pouf. Non.
Bon, il faut que je vous parle d'une chose sérieuse. Qu'est-ce qu'il y a? Mais où il est? Attendez, il est en haut, le con. Oh, le con. Regardez la corde. Trap and roll. Merci. Bon, il faut que je vous parle en privé, mais sur la table ronde. Pour une okay, fois, qu'elle va être utilisée. Au dernier étage, alors. Il y a la grande table. Au dernier étage? Oui, il y a la grande table, on n'y va jamais. Et c'est là-bas où on se court, normalement. La dernière fois que tu as parlé sur cette table, c'est quand, mon fils? C'était quand... C'est vrai, c'était l'autre quand... est venu. C'était dans la saison 3, que la dernière fois que nous avons parlé autour de cette table. Saison 3. Il me faut... Oui, c'était la dernière fois avec Pixel, le soldat Pouillon. Ah oui. Il me faut une barrière en bois. Tu peux te pousser, s'il te plaît? Voilà, tu restes ici si tu veux, tiens, en mode garde du corps. Bouge pas. Ok, je joue. Voilà. Attendez, il faut que j'aille récupérer une barrière en bois. Il faut que j'aille récupérer une barrière en bois. Ok, toi tu restes ici, ok? Toi, je te nomme mon garde personnel. Je t'appelle... Je te rappelle que je... Ton garde personnel, c'est pas une fille, non? Non, toi je te nomme plus garde personnel, je vais aller chercher l'autre survivante. Et ça sera elle, ma garde personnelle. Et je peux en avoir une, moi aussi? On a plus que deux survivants mâles followers. Bah, je le veux, moi. Ah non, mais je m'en fous, je vais la gonzesse. Non, la gonzesse, c'est moi. Allez, viens avec moi. Bon, j'en aurai une plus tard. Oui, de toute façon, avec tout ce qu'on a, hein. Tiens, d'ailleurs, je te passe cette casquette. Attends, je vais l'habiller en conséquence. Donc, cette casquette... Et ce bouclier. Et ce pistolet. Voilà, tu seras ma garde d'élite. Voilà, tu es belle. Allez, suis-moi. Mec, je dois vous parler. C'est urgent. Attends. Je prends ma garde du corps. Putain, tous ces escaliers. T'es obligé de faire un bruit de... Oh. Salut, attends. What the fuck? C'est ma fille. Oh, elle est trop belle. C'est ma garde du corps. Par contre, tu peux... Ah, j'en voudrais une, moi aussi. Hein. Tu peux guérir de ma bon, table. Bon, qu'elle descend de cette table. Bon, je dois vous parler qu'il y a quelque chose qui attends, est très... Ok, c'est bon, parle. Comment dire? Dur à dire. Ok, vas-y, parle. Écoutez. Attends, lors de ma naissance, ma mère... Ah, comment dire? Oui, j'ai ça. ...était morte. A eu un problème de cancer. Et mon père, comment dire, a prié pour que... Je devienne quelqu'un de... Qu'est-ce que tu as fait à la vitre? Non mais putain, mais... Qu'est-ce que tu as fait à la vitre? Écarte-toi. Mais arrête-toi, espèce de fou. Alors, bon, écoutez, je vais vous parler de quelque chose de très très dur. Ok, après. Vas-y, parle. Bon. Orange, écoute... Rose, écoute ce qu'il a à dire. Il en a gros sur le cœur. Tiens, je t'offrirai cette fleur. Comment dire? Il s'est passé que un jour, oui, avec tes potes... Franchement, je vous trouve vachement charmante. Tenez, je vous offre cette fleur. Tenez, c'est bon. Qu'est-ce que je peux raconter? Merde, oui, c'est très parler. Important. Et ça vaut... C'est pour le futur. Donc, Putain, de fucking... Oh, entre eux, hein? T'es obligé de pondre un... Mais putain, de... ma copine. Là, cela. Putain, oh, on peut pas parler. Hein. Viens ici. Non, tu... Elle est jalouse, laisse-la, bon, elle est jalouse. Viens Rose, elle est jalouse, putain. Viens avec moi. Enlève cette torche, voilà, c'est mieux. Bon, je t'enlève le casque, c'est mieux. Bon, allez, je peux raconter mon histoire, bon. Merde. Elle a le droit d'écouter, c'est ma garde du corps personnel. Bon, est-ce que vous savez pourquoi j'ai une tête de poulet en crâne? Peut-être parce que tu as tué un poulet, tu t'en es fait un chapeau. Non, pas ça. Peut-être qu'avant vous voyez ça. Que tu aimes bien les poulets? Non. Parce que tu es fan de super poulet? Non. Écoutez, merde. Parce que tu as le cancer du poulet. Fuck this shit. Il s'est passé qu'un jour, avec les potes, on se promenait dans une ferme où il y avait bien sûr des poulets et des animaux. Malheureusement, un éclair est tombé sur ma gueule et un poulet a aussi été touché. Ce qui a fait que j'ai eu un super pouvoir. Et donc, ce qui fait que j'ai un crâne de poulet. À quoi c'est un super pouvoir? C'est un super pouvoir parce que j'ai remarqué que je savais voler. Comme un poulet. Pourquoi tu rigoles pas, s'il te plaît? Rigole, s'il te plaît. Putain, pourquoi chaque fois ils sont tous muets? Je voulais vous dire.
Regarde, elle au moins elle rigole, elle. Pourquoi toi tu rigoles pas? Ça vous fait peut-être rire, mais c'est pour le futur et je suis super poulet. Sérieux? Bah, Dovahkiin. Qu'est-ce qu'il fout, Dovahkiin, avec moi? Tu m'expliques? Je sais pas. De toute façon, c'est pas mon fils. C'est juste mon coéquipier. Il comprend sa masse d'affection. C'est grâce à lui que je suis devenu super poulet. Sérieusement, Dovahkiin n'est pas ton fils. Enfin, si, on peut considérer que c'est mon fils parce qu'il est toujours avec moi. Mais ce que je veux dire, c'est avec lui que j'ai été touché lors de la foudre. Ah. Attends, ça fait le même site de réflexion. Et vous voulez me donner à ce putain de vachement de mes couilles que j'ai essayé de combattre depuis des années. Mais on a besoin d'une alliance avec les mercenaires. Et franchement, les mercenaires sont beaucoup plus nombreux et puissants que Est-ce que tu veux perdre ton coéquipier? Non, je ne veux pas te perdre. Mais déjà que tu m'avais perdu presque. Il faut trouver un plan. Il faut trouver un plan alors du coup. Je sais. On avait presque réussi à le semer, mais bon. Je sais. On a qu'à capturer un pillard. On va attaquer les pillards. On en capture un. On le déguise. Ouais. Ah, super. Non, je sais. On prend nos esclaves noirs. On en déguise un en poulet. Ça, tu crois que ça peut marcher? Non. Je suis sûr que si on déguise un esclave noir en poulet, ça peut marcher. Non, parce il a un truc drôle, ça se met pour passer pour faire poulet. Il va quand même demander quand même les informations que j'ai. Et un noir, déjà qu'ils ont peu d'informations... On le prend et on le tue devant... Non, je vais devoir... On va devoir créer un plan. Sérieusement. Ok, ben on t'écoute. Il faudra que je me fasse kidnapper. Vous m'emmènerez, au pire, on verra. Hein. Non, c'est pas et j'essaierai de me détacher. Au pire, hein, on verra. Et j'utiliserai cette étoile. Pour ma donnée. Depuis des années. Je sais ce qu'on va faire. On lui dit sincèrement la vérité. Et on lui propose de faire la paix. De toute façon, maintenant, on est dans la même équipe. Non? Ouais, mais ils vont pas accepter. Hein. Je te rappelle que les buts des mercenaires, c'est en même temps de tuer des gens et en même temps de me capturer moi, parce que j'ai dû leur faire beaucoup de mal à l'époque. Bah attends, nous... Je suis désolé, mais moi, Vampiro... Comment ça, tu ne sais pas ce que tu leur as fait? Je te préviens que nous, on a quand même tué un bon nombre de leurs soldats, une bonne... je sais plus... Non, il faut que... Centaine, de toute façon, leur base, sûrement, doit cacher beaucoup de choses, donc ça serait bien de s'introduire dedans. Oui, mais pour l'instant, on est alliés. Ouais, mais qui te dit qu'ils vont pas te trahir? Mais non, tout ce qu'ils veulent, c'est l'argent. On leur passe l'argent et ils ont aucune raison de nous trahir. J'ai peut-être raison, mais je sais pas. Ou alors on leur passe un poulet, on leur passe tout. Alors on leur passe l'argent interdit et ils vont nous dire une fois que tu rends le fric. Ouais voilà, on leur passe l'argent et on reprend le poulet une fois qu'on a le fric. On leur passe... De toute façon, ce qu'ils veulent depuis le début, c'est pas moi, mais c'est Dovahkiin. Et ben on leur passe Dovahkiin. C'est vrai que c'est lui qui a le plus de puissance de vous deux. Mais oui, on passe Dovahkiin, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont pas vouloir le tuer, tout ce qu'ils voudront, c'est savoir d'où viennent ses pouvoirs. Ouais, donc ils vont quand même non. Le toucher. Ils vont le trouer dans le cul. Hein? Hein, Dovahkiin, t'aimerais pas, hein? Ils vont lui faire un toucher anal, des trucs comme ça. Ou on lui passe son fils. Ils sont rectal comme dans South Park. Son fils est mort. On leur passe le cadavre de leur fils, de son fils. Non, je vais devoir leur passer franchement parce qu'ils vont faire des tests. Mais ce qu'il faudrait faire, c'est qu'il faudra vite le récupérer le plus vite possible. Ou alors, on leur demande, une fois qu'il est mort, de récupérer le cadavre et on le réanime dans la machine à réanimer qui est tenue par les mercenaires. Non. S'il se fait tuer, il perdra son pouvoir. Ouais, de toute façon, et moi la aussi. Machine à réanimer est dans les mercenaires, donc bon. Non, je vais devoir... Pas déjà mort une fois, en fait. Non, je vais devoir me sacrifier. Tu n'es pas déjà mort une fois? Non, oui, déjà... Le poulet? Non, le poulet, non. On l'avait réanimé, rappelle-toi. Si. Ah ouais? On l'avait mis dans la machine. Non, c'était 15 flash qu'on l'avait mis dans la machine. C'était moi qu'on m'avait réanimé tout le temps. Non, ça c'est la fin de la saison 3, c'était après. Comment ça? Mais qu'est-ce que tu parles de saison, toi? Bref, par contre, j'ai quelque chose de très grave à vous dire, messieurs, dames. Il y a un trou dans le plafond. Oui. Ah bon, bouchons-le. Bon, on verra ça la prochaine fois. Bref, je propose d'amener toute la TNT à 15 flash et ensuite d'élucider un plan en conséquence. Messieurs, dames. C'est l'heure de l'ellipse plan.